Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dégustation. Vous aviez adoré la vidéo où j'avais dégusté Pepe Chicken, le restaurant de Charles, Fast Good Cuisine. Du coup, j'ai décidé de vous faire un épisode 2. Et aujourd'hui, on va goûter le bagel de chez Chère Cousine, qui a été créé par la youtubeuse Stiltonic. Alors du coup voilà ma commande, donc j'en ai eu pour 10 euros. J'ai pris un petit thé glacé et ensuite j'ai pris un brookie en dessert, donc c'est un cookie avec un brownie. Et surtout j'ai pris le bagel, le stilto de Stiltonic du coup. Et toi tu passes ta vie à rêver. Tu les as lus, les livres sur le bonheur, tu les as crus. Les marchands le songeaient de peur. Tout et chaque se. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà j'ai goûté le thé glacé. Il est fait maison, il est vraiment super bon. Et après là du coup donc vous avez le bagel de Stilto. Donc vous avez le pain, vous avez donc du fromage, des pignons, du thon, de la salade. Vous avez du basilic frais. Enfin bref, tout ça, ça a l'air bien bon. Il est bien joli en tout cas. Et franchement, les ingrédients, bah, ça donne bien envie. Là, j'ai l'odeur sous le nez. Et franchement, ça me donne très envie. Donc, je vais vous dire tout de suite en goûtant. Et ben, très franchement, pour première impression, il est vraiment excellent. Franchement, on sent bien le fromage et tout là. Franchement, on sent super bien le fromage, on sent bien le thon, on sent bien les concombres. Franchement, il est vraiment bon. Pour l'instant, je valide à 100%. Je vous dirai une fois que je l'ai fini. Bon, du coup, petit bilan. Donc je viens de finir le bagel et il est vraiment excellent. Franchement j'ai vraiment adoré Stiltonic et Chère Cousine, ils ont vraiment bien bossé. C'est vraiment un bon bagel. Il bourre bien, s'il vous suffit largement. Moi j'ai galéré après à manger mon brookie, qui d'ailleurs était très bon, bravo Chère Cousine, parce que c'est des desserts faits maison. Et du coup donc il y a le bas du brownie, le dessus en cookie et le cœur fondant, c'était super bon. Mais bon bref, donc le bagel vraiment super bon pour 10 euros, le menu ça vaut vraiment le coup. Vous avez des desserts. Et en plus il y a le thé glacé fait maison, du coup c'est vraiment bon. Et le bagel c'est juste une tuerie. Et ouais, en fait le bagel bah, c'est juste une tuerie quoi, il est juste trop bon. Il est super frais et tout. Donc très franchement, si vous êtes sur Lyon, je vous le recommande à 100%. En plus, il est bien situé, du coup, vous pouvez manger sur les quais juste à côté. Mais franchement, ouais, trop trop bon, je vous le conseille fortement. Du coup, j'espère que cette petite dégustation vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bah, je vous en referai d'autres, hein, si ça vous plaît, je testerai des restaurants de youtubeurs. Et bah voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.